que face au programme de M. Macron qui veut légiférer par ordonnance dès le mois de juillet pour aggraver la loi El Khomri et donc donner la primauté absolue aux accords d'entreprise sur tous les accords de branche, sur les conventions collectives, face à une telle mesure de guerre contre les travailleurs, il faut l'unité de l'ensemble de la classe ouvrière et de ses organisations pour bloquer ce programme, pour bloquer donc les projets de Macron, et donc on combat pour ça sans aucun a priori. On pense que c'est une nécessité absolue. Par ailleurs, pour ouvrir une issue à la jeunesse, permettre aux salariés d'avoir des conditions de travail qui respectent le code du travail, permettre de pouvoir accéder aux soins, etc. On est obligé de poser aujourd'hui le problème de la rupture avec les institutions de l'Union européenne et de la 5e République. Il n'y a pas d'avenir dans le cadre de ces institutions-là. Et nous, on pose donc la question de la rupture avec ces institutions et la nécessité de convoquer une assemblée constituante souveraine. Ce serait le moyen aujourd'hui de rétablir une véritable démocratie dans ce pays.